Alright, girl, you have your look a bit. Yeah, for your look a bit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on commence par le lundi. Parce que le lundi, c'est mon seul jour de repos. C'est le seul jour où je ne travaille pas. En gros, c'est mon week-end. Bon, j'en ai qu'un jour. Mais c'est déjà ça. Et qu'est-ce que je fais le lundi? Vous savez, c'est typiquement le genre de jour où tu restes en pyjama toute la journée, en pantoufles. Tu te fais couler un petit bain, vous savez déjà à quel point j'aime ça. T'allumes des bougies dans toute la maison si possible. Tu fais des soins de la peau, tu lis un livre. Enfin, tu te détends au max. Et pour se détendre, quoi de mieux qu'un bon jeu? Donc merci à Big Farm de sponsoriser cette partie de la vidéo. Et je vous en parle tout de suite. Big Farm Mobile Harvest est un jeu mobile dans lequel vous allez jouer à développer votre ferme qui va commencer toute petite pour en faire une grande et riche ferme. Donc moi je pense que vous savez que j'adore jouer et que j'adore surtout les jeux de gestion, de simulation, gestion d'argent, comment développer. Voilà, je trouve que ça se rapproche de la vraie vie et c'est le genre de jeu que j'adore. Donc c'est le jeu idéal si vous aimez le même genre de jeu que moi. Vous avez plein de petites activités autour du jeu, autour du développement de votre ferme, la pêche, un restaurant. Enfin voilà, l'objectif est toujours de vous développer au maximum. Si vous voulez télécharger le jeu pour jouer, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais l'info qui est super importante, c'est l'événement qu'il y a en ce moment. Du 7 au 21 octobre, l'événement Plant a Tree vous permet de participer en plus à quelque chose d'environnemental qui nous touche absolument tous. Vous allez planter le plus d'arbres possible dans votre ferme, gagner des constructions, gagner des avantages, mais surtout, le jeu va pour de vrai participer à la reforestation. Donc Good Game Studio, qui a créé le jeu, fera un don à l'association One Tree Planted, qui vous permet donc de jouer et de faire une bonne action par la même occasion. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application et à jouer. On est le mardi 12 octobre. Donc tout à l'heure, j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour faire un soin bien profond. Bon, je fais mes soins chez moi, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allée, très longtemps même, que je suis pas allée chez un vrai coiffeur, faire un vrai soin, couper mes pointes. Donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et entre temps, avant ça, je vais essayer d'avancer sur les commandes Vinted. Donc comme je disais, je voulais vous raconter ça la semaine dernière. J'ai même pas eu le temps tellement c'était une semaine speed à cause de Vinted. Donc j'ai mis en ligne à peu près 124 articles. J'ai dit à mes abonnés que ce serait en ligne à 21h. À 21h pile, 21h01, je commence à recevoir plein de messages. Où sont les articles? Où sont les articles? Et on avait tellement garé, moi on était tous les deux sur le téléphone en train de les finir de les rentrer parce qu'il fallait les décrire, mettre les tailles, la marque, le prix, nanana. C'est tout un taf de ouf, sans parler des photos, etc. Tout est parti en une fraction de chaîne rapidité. Mon téléphone il buguait, il y a des abonnés qui prenaient 6 trucs, 7 trucs, enfin c'est un truc de fou. Donc pour vous montrer l'organisation qui est technique. Là, il y a tous les articles. Voilà. Là, on a sorti tous les bordereaux. Donc lui, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il me les a imprimés. Il me les a rangés par ordre alphabétique. Moi, je leur ai donné des noms sur l'ordinateur. Comme ça, je peux, par rapport au nom, me rappeler quel vêtement c'est. Ensuite, j'ai imprimé des petits mots. Merci pour ta confiance. Parce qu'à la base, je l'ai écrit à la main, mais là, impossible. On avait commandé sur Amazon des enveloppes. Comme ça en gros, parce que c'était beaucoup plus simple, ça va me faire gagner du temps quand même. Là, donc on a ça, on a le scotch et le ciseau bien sûr, et c'est parti. Ouais, ça va être, enfin, j'en fais le max. C'est presque impossible de tout faire, c'est impossible de tout faire là avant de partir à mon rendez-vous, mais au moins faire le max et quand je rentre continuer. Mais voilà, c'est vraiment, je vous avoue que c'était assez impressionnant. Ça m'a choqué un petit peu parce que je sais que vous êtes une communauté de fous, tu vois, mais être au taquet comme ça, donc j'espère que vous serez autant au taquet quand je sortirai mon, parce que c'est bien beau Vinted, hein, mais le jour où je sors mon truc, et ça ne saurait tarder, j'espère que vous serez aussi au rendez-vous quand même, hein. Voilà quoi. Donc let's go. Screaming money and it ain't me up till 6 in the morning.
partie. Au final, j'ai dû faire quoi ? 6 colis. Pourtant, j'étais à fond, hein. Mais c'est tellement long. Donc, ce soir, Gary va me dire, on va s'y mettre à deux. Ça, ça ira beaucoup plus vite. Et quitte à ce que ça prenne toute la soirée. Mais voilà, il faut vraiment qu'on finisse ça. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que je faisais... j'avais comme résolution d'être toujours à l'heure. Ben, pour l'instant, on est pas mal. Là, j'arrive à l'heure, pile à l'heure. Faut arrêter, faut être des adultes accomplis dans la vie et arrêter d'être tard au rendez-vous, aux endroits où tu vas. C'est pas sérieux. De toute façon, en ce moment, je suis une femme accomplie. Et là, tout vous dire, je veux que ma routine elle soit comme ça, ultra serrée, parce que cette année, je veux faire les vlogmas. Alors, je sais, vous allez me dire, ah non, lâche-le, c'est pas possible. Cette année, je vais faire les vlogmas. Pour ceux qui ne connaissent pas les vlogmas, c'est le fait de faire un vlog tous les jours en décembre. Et cette année, tu vois, je le sens, tu vois, je commence à... T'inquiète, ça va le faire. Cette vidéo sur Insta, vous avez déjà vu les infos. J'ai fait un soin Tokyo, ensuite on a coupé les fourches, ensuite on a coupé les donc voilà, mais c'est surtout un soin qui fait du bien et c'est surtout ça qui m'importe. Moi, c'est pas forcément moi avoir les cheveux souples, ça, je suis pas quelqu'un qui porte mes cheveux comme ça, tu vois. C'est surtout moi, c'est surtout que je veux des cheveux forts. C'est tout ce que je veux dans cette terre, c'est des cheveux forts. Est-ce que c'est trop demandé? Bon, attendez, je vais avancer parce qu'il y a un petit peu trop de gens autour de moi qui me regardent. Donc je disais que moi je veux juste des cheveux forts, c'est tout ce que je demande, parce qu'ils sont fragiles. Et c'est là que tu vois que, vous voyez les naturalistas, les filles qui veulent toujours te dire « fais pas ci, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu mets trop de perruques, mais tu laisses trop tes cheveux dehors, donc trop de manipulation. Mais en même temps, il faut faire des coiffures protectrices. Oui, mais telle coiffure protectrice, c'est pas bien, parce que ça va te casser tes cheveux, et il faut que ce soit comme ça, et la taille de la natte, il faut que ce soit comme ci, et pas comme ça, et pas comme ci. » Et frère, déjà, on comprend pas. Oh my god! Donc déjà, on comprend pas. On comprend pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, on comprend pas. Déjà de 1, on comprend pas. Mais de 2, je crois que ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils comprennent pas que on n'a pas tous les mêmes gènes en fait. Et que c'est génétique. Ah ! Calme-nous. Ce qui fait que quand j'ai réfléchi, ma mère n'a pas les cheveux longs. Mes tatis n'ont pas les cheveux longs. Mes cousines n'ont pas les cheveux, il n'y a personne qui a les cheveux longs en fait. Donc à un moment donné, il faut commencer à se poser des questions. T'es en train de me dire que personne ne sait s'occuper de ses cheveux? C'est faux. À un moment donné, je pense, franchement je pense, que on est destiné à avoir une longueur dans la vie. On peut peut-être un peu pousser le truc, tu vois, gagner quelques centimètres, mais c'est tout, j'y crois pas. Et là tu vois, elle m'a dit que mes cheveux ils sont cassés. Mais cassés pourquoi? Je ne suis quelqu'un, je lisse jamais mes cheveux, jamais. D'accord? Là, je les ai lissés. La dernière fois que je les ai lissés, ça devait être il y a un an et demi. Non, franchement, je suis saoulée. Franchement, j'en demande pas trop. Voilà. La semaine prochaine, déjà, on va faire des tresses. Comme ça, on va arrêter de parler de cheveux là pendant un bon moment. Parce que là, on est lasse. On est fatigué. Voilà quoi. Donc nous sommes le lendemain. Aujourd'hui, grosse journée Vinted. Si bien que normalement j'avais un rendez-vous pro aujourd'hui que j'ai décalé à demain, tellement il fallait absolument que ce soit fini. Donc je vais vous montrer le résultat. Est-ce que vous voulez voir le résultat? C'est impressionnant. C'est... Je sais pas quoi dire. Donc heureusement on était deux. Donc là on a sorti des sacs Ikea. Et on y va. Pauvres petits gens qui vont devoir scanner tout ça. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de votre cher Gary que vous aimez tant. Parce que c'est, j'aurais jamais réussi sans lui, clairement. Ok. D'ailleurs, c'est pas ma casquette, ça, vous? Non. On n'a jamais des casquettes. C'est une belle. C'est ta casquette, mais elle va mieux à moi. Bon, c'est une question de... Bon, rangeons les colis dans les sachets. Me and my people be rolling,
pas bien. C'est ce qu'ils ont dit. T'as vu le commentaire? Ouais. Allez, parce que. Des fois j'hésite, j'hésite. J'hésite. Il faut éditer surtout. Des fois j'hésite. Dans la vie, il faut éditer, sinon on peut pas avancer dans la vie. J'hésite, je me dis est-ce que j'achète. J'ai du mal aujourd'hui. Est-ce que te quoi? Est-ce que j'achète? Voilà. Est-ce que j'achète un truc pour le fixer si la routine c'est qu'il tombe? Bah oui, sinon c'est peu marrant. Parfois je reçois des messages qui me disent ouais, déjà, regarde ce ta truc. Voiture elle est grave spacieuse et tout, et je m'en rends pas trop compte, mais là je m'en rends compte. Ouais, c'est vrai. Maintenant que je suis dans le passager, tout, on dirait que j'ai une voiture pour les des papas maman. Les darons de 50 ans. T'es darons de 50 ans. Quel âge as-tu? Ceux qui connaissent, vraiment ceux qui regardent mes vlogs. Et donc je vous aime d'amour. C'est vrai que c'est vrai, ouais, on dirait, mais c'est pas du tout une voiture de maman et papa, je le dis, c'est une voiture de maman et papa. Franchement, jamais la vie. Mais c'est vrai que je suis très grosse voiture, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, moi je suis voiture pro, tu vois, j'adore. Ah, je n'ai pas de chaussures de couleur dorée, de talons de couleur dorée. Et donc regardez-moi ces bébés. Regardez-moi ces bébés. Oh my god! Moi j'aime pas droit ce genre de bisous. C'est faux, c'est vrai. C'est faux ou c'est vrai? Non, c'est faux que. On essaie de faire un tri parce que là on est dans un point relais. La galère! Où ils en prennent qu'un seul. Qu'un seul type, tu vois. Ils prennent pas Chronopost, ils prennent que relais colis ou je sais pas quoi là. Donc il faut qu'on fasse un petit tri. Et moi de mon côté, c'est bon bébé. C'est bon. Ceux-là, ils partent. T'en as toi? Ça, c'est des. C'est... Ceux-là, faut que je les prenne? Ouais. Ah ouais, zut. Attends, j'ai plus de place moi. On a fini, on a fini. Donc on a fini Vinted. Trop contente. Trop contente, vraiment. Hein? T'as fermé ma voiture? Donc là on est à la Défense. On va au Zara comme vous avez dit. Je vais vous montrer, il est incroyable. En fait ils ont réuni, il y avait deux Zara dans la Défense, ils ont réuni les deux. Il est énorme, il est futuriste. On va se prendre un petit café aussi parce qu'on a sans la fatigue, tu vois. Là on est dans le drive, on est au drive du McDo parce qu'on a, on a vraiment très très faim hein. On a très très faim parce que ce midi on a mangé que des petits sandwichs parce qu'on n'avait pas le temps avec tout ce qu'on devait faire. Donc on a juste mangé des petits sandwichs et là du coup on sent la faim donc, vraiment... Parce qu'on n'a même pas le temps de faire à manger. J'ai envie de on est fatigué. Ça fait du bien cette petite lumière rouge. Et j'aime ça. Mais c'est veut pas chanter, voilà. Ok. Tu veux quoi bébé? Un bug de 6 et tout? Avec une boîte de 4. Si on prend une boîte de 6. Parce que toi tu prends quoi en plus? Rien? Non, mais rien, tu peux en prendre une boîte de 6. Ben 6 alors. Ouais. Comme jamais. Parce qu'on a faim, mon dieu, j'ai faim. Là j'ai très faim, donc je me dis. Ça existe plus que 6? Ashley, non, non, vorace. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je vais vous prendre un menu. Allez, bonne soirée. Elle est où la mayonnaise? Non mais attends, on s'avance devant. Ah voilà, on s'avance devant. Parce que quand on va arriver là-bas et que j'aurai pas de mayonnaise, je vais crier. Crier. Oh mon dieu, ça sent le gras. On vérifie ou on mange? Ouais, le bébé qui est si beau.
Wesh, doucement. T'as de la maillot. Mmh. Là, y a tout. Bon, c'est la maillot. Allez, je viens de te dire, il y a tout. Ça va. Attends, tu peux pas. Ouais, franchement, c'est vraiment une drôle. On a pris que film, c'est une manuelette. Ah, je l'ai arrêté de faire la vorace. C'est ça, d'ailleurs. Bon, en fait, là, t'as tellement faim, t'es tellement vorace que voilà, tu veux tous les trucs de la terre. C'est ça le problème. Une fois que t'auras mangé ton big tasty, il n'y a plus faim, il n'y a plus faim. Hello, guys. Donc, on est le lendemain. J'ai refait cette coupe-là. Parce qu'avec Gary, on devait shooter une vidéo. C'est ce que j'ai fait là toute la matinée. Donc là, je vais à mon rendez-vous pro. Est-ce que je fais le plein maintenant? Je vais le faire. Parce que si je tombe en panne, je vais regretter, tu vois. Faut mieux être en retard et arriver que ne jamais arriver parce que tu tombes en panne. Non? Et en plus, il n'y a pas grand monde. Tu sais où tu veux qu'on mange? Je sais même pas au final, j'ai même pas regardé. Ouais, mais moi j'ai même pas regardé, j'ai pas de manche. Bah, je te dis quand je pars. Donc, à tout de suite. Je commence à regarder un petit peu les rushs de ce qu'on a filmé tout à l'heure. Et puis je vais y aller. Mais moi, je vais quand même me changer parce que ça y est. Demain, on nettoie ça. Je veux qu'il y ait deux produits. Deux produits. C'est pas possible. Je vous ai pas montré hier soir, j'ai pris ça aussi. Vous vous rappelez, on est allé à la Défense chez Zara. Et je suis passée aussi chez Adopt. J'aime trop ces petits trucs-là. Je vous ai déjà dit ça, c'est trop pratique. Parce que tu peux bombarder de parfums sans te sentir mal. Parce que t'as pas dépensé 80€. Ça coûte, je crois, 8€. Le Love Mood, c'est mon odeur favorite. Et celui-là, je connaissais pas. En fait, ça sent vraiment bon, hein. Ouais, ça sent frais en même temps. Ah, ça sent vraiment bon. Et celui-là, le Love Mood, c'est... Le Mood, il est un petit peu sucré, mais un petit peu, tu vois, pas sucré qui fait fifi, sucré, mais quand même femme, classe, tu vois, les femmes de caractère. Alors que lui, il fait frais, tu vois, il pourrait être un parfum d'été, en fait. Ouais. Oh, je suis trop contente de ma petite sélection. Bon, par contre, qu'est-ce que je mets? Je sais pas. T'arrives pas? Vous, les filles, vous avez des trucs. Abusé. Ce petit haut que je crois que j'ai jamais mis et qui est trop beau, comme ça, c'est un haut qui vient de la marque Cider. Vous avez déjà peut-être vu passer la pub sur Insta. Les leggings tout à fait basiques, mes bottines noires tout à fait basiques, et je vais vous montrer ma veste, enfin mon trench qui va trop bien avec. Pour faire l'exprès. Trench comme ça qui vient de chez Pretty Delphine, et regardez comment il va trop bien. Les coloris vont trop bien avec, sans faire l'exprès. Ok, attendez-vous. Merci. Oui, bisous, bisous. Hey! Coucou! T'as fait une petite technique? T'es filmé! T'aimes trop ça! Mais il est trop cute là! Toi t'es cute! Alors on mange quoi? Ah là franchement. Bon, je ne sais pas. Direction Paris. Attends. On va la mettre. Ouais, grave, on va la mettre. Attends, on va pas. Par là. Attends, ah! Ah oui, t'as pas de ça. Si, j'ai tout. Ah. Comme ça? Faut que je te raconte, attends, je coupe.
je vous prends un peu tard là dans la journée. Aujourd'hui, je devais absolument terminer de travailler sur quelque chose, donc je pouvais pas vous prendre plus tôt. J'ai fini quelques colis. Enfin, j'ai quelques colis encore à déposer. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris mon ordinateur parce que il faut que je poste absolument un réel aujourd'hui. Et il y a juste quelques petites finitions. Une fois que j'ai fini mon rendez-vous, je me pose pour faire ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance de laser, épilation laser. En celles qui ont déjà fait du laser, vous le savez, c'est trop bien parce que dès la première séance, vous voyez la différence. Votre peau, elle est toute lisse. Pour les filles qui ont des problèmes de poils incarnés, c'est fini. Peau toute lisse, voilà. Moi, je fais aisselle et maillot. Et en fait, je vous explique, le seul truc contraignant, c'est les délais entre les séances. Il faut se raser 48 heures avant. Et en fait, des fois, tu y penses pas, c'est bête, hein, mais des fois, tu t'es rasé la veille. Sans t'en rendre compte, tu t'es rasé la veille. Or, si t'es rasé la veille, c'est mort. Donc, voilà, donc si tu t'es pas rasé à temps, c'est mort. Si tu te rases trop tard, c'est mort. Si tu te rases trop tôt, c'est mort. Ensuite, souvent, les instituts, ils sont bookés, donc tu galères à avoir un autre rendez-vous. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est si tu pars en vacances. Et je pense que vous savez quand même, j'aime bien partir en vacances. À chaque fois, tu peux pas reprendre de rendez-vous parce que tu t'es exposé au soleil, c'est pas bon, donc il faut que t'attendes avant de partir, après de partir, enfin bref, frère, c'est pour ça que j'ai jamais pu faire, jamais pu aller au bout du traitement, sachant qu'il y a un nombre de minimum de... Là on va le recommencer bien comme il faut, et là on est déterminé là, parce que normalement en tout cas pas au soleil, je pars normalement peut-être en novembre, mais pas au soleil, donc normalement on sort ce soir, normalement on va en soirée ce soir. Mais c'est une soirée full white, j'ai pas de tenue white. Et il y a les questions que, en fait, y a le truc des antigéniques et PCR payants là. Donc, là c'est la guerre, là c'est la guerre. Donc, je fais la séance, je vais finir mon boulot et ensuite on vous reprend pour le côté fun si on sort. Au plus tard, on va faire quelque chose de vendredi soir là, ça va 2 minutes là. La semaine dernière, on n'a rien fait. Cette semaine, c'est mort. J'utilise Sanex. Je suis en train de me préparer pour sortir. Vous vous rappelez, je vous ai dit que je sortais. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis devant You, comme je vous ai montré, et que je me suis mis totalement endormie. Là, il est déjà presque 2h du matin. On n'est toujours pas parti. Ensuite, il n'y avait plus de place pour la soirée à la base. Dieu merci, DJ Skietti, mon gars, merci, nous a mis sur liste. Dieu merci. En gros, c'est la crise, c'est la guerre. Voilà, boucles d'oreilles, bijoux. J'avais quand même envie de mettre des grosses boucles d'oreilles, comme ça. J'ai mis une robe. Là, c'était la seule solution. J'avais rien de blanc, rien. J'ai cherché dans tous les sens, j'avais rien, rien, rien. Et donc, du coup, j'ai mis cette petite robe-là. Comme ça, avec là, le petit effet froufrou. Avec ce petit sac-là. Comme ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Pour quelqu'un qui, à la base, n'avait pas de tenue. Ce serait trop bien si ça tenait là. Attends. Ça tient mieux que dans ma voiture. Ça va mettre ? Ta caméra, wesh ? T'as vu combien bouge pas ? Ah, la caméra ? Voilà, ça t'es quand même pas des. Va sur moi. Je suis chantée. J'espère surtout qu'on a pas raté le set de Skitty quand même. Mais je pense pas. Ah. Et j'aime pas plus s'amuser parce que la voiture. Ah, voilà. Ça moi j'aime beaucoup. T'as bien ? J'aime bien. Fuck.
500 cocky CM 5 fun after love with the target 5 days fun one after love throw a boat for deep white fun after love more than on this year by fun after love 5 fun get here stop hold it get fun 5 here stop hold it 5 fun fun after love Oh, quel soleil aujourd'hui, il fait trop beau. C'était trop bien hier d'ailleurs. Parce que je sais pas comment j'ai monté, j'ai dû faire un petit montage mignon, tout ça. Trop content, on a rangé. Ça veut dire que là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu de résine parfaitement rangée comme ça. Maintenant qu'on a fini Vinted, ça change absolument tout. Et c'est vraiment propre, propre, donc trop bien. Voilà, juste ici, il reste 2-3 petits trucs parce qu'il y a des commandes qui sont annulées bizarres. Et puis c'est surtout ce qui est collable, donc ça c'est. Une collab que j'ai qui arrive avec Design Essential. Avec Shein, j'ai une collab qui arrive. Et avec Shein, j'ai une commande perso. Avec Lounge aussi. Underwear. Voilà, c'est à peu près ça. C'est moi qui ai commandé ça. Donc, on va faire un petit unboxing tout à l'heure quand je reviens. Là, comme je vous avais dit, je veux vraiment nettoyer la salle de bain. Mais dans le sens où je veux enlever le max de produits sur l'étagère. Je veux que ce soit vraiment minimaliste. Du coup, il me faut des bacs de rangement. Je vais mettre ça dans les tiroirs qui sont dans la chambre. J'étais allée à Ikea ou j'hésitais à aller à Action. Aussi, ça fait longtemps que j'ai pas été faire un tour à Action. À Action, il y a des bougies et j'ai besoin de bougies parce que j'allume beaucoup de bougies. Il y a toujours au moins 4 bougies allumées dans la maison en tout. Donc voilà, ah oui. Ah oui, vraiment, quand je vous dis que j'ai rangé, j'ai vraiment, vraiment rangé. J'ai même rangé mes bijoux depuis le temps que je devais le faire. Je suis trop contente, voilà. J'aimerais trop trouver un truc pour ranger mes paires de lunettes, tu sais, des séparateurs ou quoi. Bon, à voir. On est parti, hein. Il fait beau, donc. J'ai fait une petite plus de guillotte. Je suis encore en fonction. Je sais pas quelle chaussure je vais mettre derrière. Là, on aurait dit que c'est le printemps, vu les couleurs que j'ai mis sur moi. Mais, finalement, j'ai changé d'avis. Parce que je me rends compte que j'ai pas de chaussures marron. J'ai pas de chaussures fermées. Beige ou tout ce qui est couleur nude, couleur comme ça et tout, j'ai pas encore acheté de boutine, tout ça. J'ai que des chaussures noires en fait, tu vois. Donc j'ai changé d'avis. Je suis partie sur sac noir, les détails là noirs et des bottines. Tu vois. Ok, c'est plutôt cute. Donc, moi je suis trop marrante à croire qu'il fait beau. J'ai bien froid. DR. Au fait d'ailleurs, comme vous le voyez, j'ai mis une pépé. Franchement là j'en peux plus. Voilà. Je suis à deux doigts de me raser le crâne. Voilà, deux doigts de me raser le crâne. Parce que j'en peux plus mes cheveux. Franchement, en fait, je sais pas me coiffer sans mettre du gel. Et après, une fois que t'as mis du gel, eh ben, tu t'arrives pas bien à te recoiffer parce qu'il y a du gel. Et donc, tu dois te laver tes cheveux. Et arrête de t'écher tes cheveux. Et après, tu casses tes cheveux. Et on n'en peut plus des cheveux. On n'en peut plus! Mais là, bonne nouvelle, j'ai pris rendez-vous demain. À 14h, je vais me faire des tresses. Ah, je suis trop contente. Donc, les tresses, ça va me faciliter la vie. Monsieur passe, non? Ah, je vais passer à la boulangerie parce que j'ai une envie de croissant. Des fois, j'ai une envie de croissant. S'il y a un truc que j'aime dans ce pays qui s'appelle la France, c'est les croissants. Je vais prendre un croissant. Un café, alors que j'en ai déjà pris un, mais en ce moment, j'avoue que je suis sur 2 cafés par jour. Non. Un jour, ma caméra va se passer, normal. J'ai vraiment envie de faire un jeûne de 3 jours. Je sais que vous allez me fouetter. Je vais faire un jeûne pour repartir sur de bonnes bases. Je fais un jeûne de 3 jours, tu vois, pour bien nettoyer. Je bois beaucoup d'eau et tout. Et puis après, on repart. Pap. Légumes. Là. Mais pour ça, on va prendre un croissant. Je viens de tilter que j'ai pas pris de deuxième batterie, donc je vais devoir peut-être fumer avec mon portable là. Ouh, je revis. Bon, j'y vais. We'll be right back.
rangement, j'ai pris deux petits comme ça. Et donc côte à côte, ça fera bien. Donc il y a les couverts qui vont avec, même si là en l'occurrence ils ne me serviront pas. Et voilà, un plus grand, comme ça. Et c'était vraiment pas cher, hein. Celui-là il devait être à 1, celui-là à 2. Voilà, action toujours à la base. Et je pense que ça fera bien, tu vois. Je vais mettre tous mes produits comme ça, tac tac tac. Ça, on fera ça dans le prochain vlog. Parce que là sinon il y a trop d'images, je pense. Et ensuite des bougies. Alors chez Action, finalement il n'y a pas. J'avais pas tant de choix que ça. J'ai pris celle-ci que vous pouvez aussi retrouver, je crois, en grande surface. Attends, il y en a qui a disparu là. Et mine de rien, elles sont super bon. C'est la marque Airwick ou basique quoi, mais ça sent le linge frais. L'odeur, c'est vraiment le genre d'odeur que j'aime, le frais, le propre. Donc j'en ai pris deux parce que celles-là elles sont vraiment incroyables. Toujours chez Action, j'ai pris celle-là. Ce qui m'énerve avec Action, c'est qu'ils savent même pas coller ça bien droit, vous voyez, c'est même pas droit. Bref, c'est censé sentir wildflower, donc la fleur, fleur sauvage. Ça sent très bon. Je trouve pas que ça sent la fleur sauvage. Même si je connais pas l'odeur d'une fleur sauvage. Ça sent un peu frais, un tout petit peu sucré. J'aime bien. Et bref, le packaging est cute, enfin à part ce truc là. Mais de ce côté là, c'est cute. Je le mettrai de ce côté là. Celle-ci qui sent la lavande. Et le packaging est cute. Ça me fait penser aux bougies de chez H&M Home. Si vous êtes jamais allé chez H&M Home. Allez-y, les bougies sont incroyables, pas chères, trop bien. Et ça sent la lavande. Simplement. Et ensuite, j'en ai pris deux à Carrefour. Ils sont incroyables. De toute façon, cette marque, c'est la marque Botanica. Et si vous ne la connaissez pas. Oh mon dieu. Donc j'ai pris celle-là, je ne l'ai jamais prise. Moi, d'habitude, je prends toujours celle-ci. C'est la Vétivier des Caraïbes et Bois de Santal. Incroyable. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, tu sens que c'est travaillé, tu sens. Et celle-là, j'ai même la version en spray. Et celle-là, je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas, j'avais jamais pris. Mais celle-là, pareil, oh mon dieu, c'est Magnolia de l'Himalaya et Vanille. Mais c'est tellement bon. Donc, je vous disais que je vais pas forcément essayer. Mais c'est des basiques et ils sont incroyables. Et si vous voulez les voir porter, n'hésitez pas à aller voir mon haul que j'ai fait. Où en fait, je vous dis que c'est un peu des dupes de la marque Skims. Mais comme ça, vous aurez les liens, hein, vous aurez les essayages et tout ce qu'il faut. Donc, j'ai pris un petit t-shirt comme ça, couleur kaki. Oh, punaise, ça sera trop bien ça avec. Magnifique. Sachant que la qualité. Oui. Des tissus qui épousent grave bien le corps. Et moi justement je les brille parce que j'avais déjà celui-ci moué. Vous savez déjà quand j'aime un truc je le prends en carte couleur. Voilà. Voilà ce que je viens de dire. Donc le même en marron. Ils sont trop bien, ils sont trop bien. Et là je crois que j'ai toutes les couleurs que je voulais. En tout cas un body encore mais comme ça. Couleur un peu rosée comme ça. La dernière pièce. C'était je crois le même que les autres mais ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça fait assez d'images. Je vais passer cette petite journée à regarder You, cette fin de journée plutôt. Et ensuite, je me mettrai au montage pour que vous ayez cette vidéo à temps dimanche soir. Voilà, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc. etc. si vous avez aimé cette vidéo. Et on se dit à dimanche prochain.